Je suis que ça. Les de l'opposition, les des affaires gouvernement, ces membres honorables de l'Assemblée nationale. Je suis content d'abord. Félicite M. le Speaker, pour l'élection aujourd'hui, bon matin, à la tête de l'Assemblée nationale. Ils m'ont un désir sincère que nous continuions à travailler ensemble pour Cécile et bien-être tous ces Célois. Félicitations, honorable Ahmed Afif, pour l'élection comme député speaker de l'Assemblée nationale. Félicitations, honorable Philippe Arisol, représentant district en Spalo. Vice-président, président de la Cour d'appel, Sebziz, ministre désigné, ministre, ses invités distingués, Faixe, Pep Cécilois. Il y a un grand honneur, il y a aussi un plaisir pour moi adresse Nation Cécilois et l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les 1er janvier salonnais, dans mon pays massé, le lance Côte d'Or. On t'y rencontré des dimons qui t'y nettoyé lance. Un papa et son garçon seulement 9 ans. Dans mon conversation avec Zot, on t'y très toussé. Laisse un petit garçon, t'y dit moi, qui content pour là avec son papa. Pour prendre travail. Ça, il y a une illustration de l'importance de la valeur que les parents sont capables d'inculquer dans d'autres enfants à un très jeune âge. Ça, il y a des formes, qualités fabriques de nos sociétés, la famille et fondation de nos sociétés. L'État de nos nations, il dépend de l'État de nos familles, l'État de nos communautés et l'État de l'économie. Monsieur le Speaker, comme un peuple, nous travaillons ensemble. Et ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. Croissance économique, une positive pendant sa dernière 10 ans, il en est passé l'économie grossie par 4,2%. L'environnement macroéconomique est stable et nos positions fiscales sont aussi stables. Aujourd'hui, la Banque mondiale classifie nous comme un high-income country. De l'Afrique, nous sommes le pays qui est dans sa classification et nous sommes le premier pays dans l'océan Indien pour atteindre sa classification. À part de Mézi, nous progressons en termes de GDP par tête d'habitants, au salaire moyen de la population, mais aussi Mézi, nous progressons à travers la réussite de nos peuples. À travers la disponibilité de travail et la qualité de la vie qui ce travail y fait. À travers le potentiel de nos bons citoyens pour réaliser notre rêve, pour transformer une bonne idée dans une réussite commerciale. À travers la connaissance qui, si nous parions pour travailler dur, pour atteindre un but dans nos vies, nous sommes capables de faire. À travers les soins qui nous en ont pour nos bons enfants, à travers la quantité d'années qui nous vivent, qui à présent 75 ans en moyenne. De l'autre côté, nous aussi voyons un fléau social qui peut augmenter d'une façon alarmante. Et l'existence de la pauvreté parmi certains couches de nos populations qui pose un défi réel pour progrès et développement inclusif. Monsieur le Speaker, après que nous commençons nos réformes économiques 10 ans passés, beaucoup plus de monde participe activement dans l'emploi. Sa participation il amène plusieurs bénéfices, mais il aussi crée un peu de défis. Un de ces défis, c'est l'effet qui présente l'état de nos citoyens ivinazés
zot n'a pas sa même structure la famille autour zot qui t'y existait longtemps. Zot enfants y dans l'emploi. Nous besoin toujours préserver dignité nos bons citoyens, même en retraite. Et alors nous avons un système CARA. Aujourd'hui, nous avons 3414 CARA. Et je donne soin à 3500 citoyens. Sa situation, côté moyen, est CARA, il occupe un dimoun, une vie qui est très serre pour administrer. Dans le 2018, salaire total pour tout CARA est 185 millions de roupies. Monsieur le Speaker, il y en a quatre aspects qui nous besoin de concentrer là. L'endroit pour qui bandit mounazé pendant la zone, pareil, est des centres pour les adultes. Plus l'endroit pour bandit mounazé qui est indépendant, est capable de rester ensemble, pareil, un home for the elderly. L'endroit pour bandit mounazé qui besoin plus l'attention, est capable de rester ensemble par un nursing home, professionnalisme, système CARA. Concept est des centres pour adultes, il permet de bandits mounazés en un endroit pour pas autre la zone ensemble en groupe. Pour aussi en un du monde pour prendre soin avec autres. La terre pour gagner mettre à disposition secteur privé pour qu'ils autres construisent et exercent l'établissement. Et l'État pour payer pour sa service. Home for the elderly. Il y a un endroit pour que les gens indépendants soient capables de rester ensemble. L'État aujourd'hui, il y en a 9 homes for the elderly dans plusieurs districts, mais pas assez. Monsieur le Speaker, il est très encourageant que le diocèse anglican il prend sa initiative pour bâtir un home for the elderly. L'Union. Le gouvernement aussi peut mettre la terre à disposition du secteur privé pour qu'ils aient construit et aient l'établissement. L'endroit pour les gens âgés qui besoin plus l'attention pour préparer ce qu'ils ont dit nous avons pour l'hôpital Notice Point et ce qu'on appelle nursing home en anglais. Encore, le gouvernement peut mettre la terre à disposition du secteur privé pour qu'ils autres construisent et aient l'établissement. Je suis content d'annoncer que le business qui établit sa trois facilités qui m'ont mentionné pour nos citoyens âgés avant l'année 2021, pas pour besoin de payer business tax pour les premiers 10 ans de l'existence. Le gouvernement et le professionnalisme sa soin qui carers peut donner aujourd'hui pour assurer que nos citoyens âgés gagnent bien occupés et pour donner aux autres sa habilité pour occuper plus qu'un citoyen à la fois. Le gouvernement in déjà commence à donner l'entraînement sa bonne carer. Bi sa quatre mesures, c'est pour donner nos bonnes citoyens âgés plus sens pour interacter avec les autres du monde aux autres âges et vivre en communauté. En vie, qu'il y a une population qui peut vieillir, il est important que nos systèmes CARA restent soutenables. Pour prendre nous un peu le temps pour faire sa transition, mais il est nécessaire pour nous planifier et préparer nous pour nous faire lire ensemble. Monsieur le Speaker, nous avons besoin de prendre soin avec la famille qui forme structure des bases de nos sociétés. Je suis content d'annoncer le gouvernement pour augmenter la quantité de congés maternité pour sortir 14 semaines pour venir 16 semaines. Et congés paternité pour augmenter sortir 5 jours pour venir 10 jours. Ça démesure pour prendre l'effet à partir du 15 mai, ça l'en est, la zone internationale pour la famille. Dans le domaine de la petite enfance, nous avons une politique, nous avons la santé, son soin. Son éducation, son environnement est clair. Nous restons avant-garde dans ce domaine. Nous travaillons et reconnaissons par le Bureau international pour l'éducation, aussi bien que l'UNESCO. Ça mérite de motiver nous pour redoubler nos efforts
pour continuer à améliorer nos systèmes d'éducation en entier. Mon avoué qui nous en a défi. Résultat, l'examen 2017 y montrait une trajectoire désappointante. Mais nous en a une responsabilité collective pour nous renforcer sa situation. Valeurs telles que dévouement, appréciation, respect, sérieux, discipline, l'engagement, ils commencent dans la cour et ils gagnent renforcé dans l'école. Si nous continuons à appliquer ces bonnes valeurs ensemble et nous restons consistants, nous pouvons capables de renverser la situation qui nous l'a dans ensemble. Une bonne décision importante qui pourrait implémenter à partir de l'année, c'est l'automatic promotion. Il est important que les enfants y apprennent pour atteindre un target avant qu'ils progressent à l'autre niveau. Une autre décision, c'est la création d'une école technique et vocationnelle, l'île Soleil, qui peut prendre les enfants depuis S3. Il y en a sa nécessité pour plus bien préparer nos banzen depuis un âge plus bonheur, pour autres gagner connaissances et compétences, pour autres capables plus bien intégrer dans le secteur économique. Nous invitons le secteur privé pour joindre ensemble, pour construire et gérer à l'école. Gouvernement pour payer pour l'éducation, tous nos enfants qui allent dans l'école. Mon souhait, c'est pouvoir voir l'école ouverte en janvier 2020. Avec l'autonomie que l'école a gagnée, nouveau la loi l'éducation qui fait commander et régulation qui pour bientôt venir en force le contrat entre parents et l'école, ça pour contribuer pour une plus stabilité dans nos écoles et l'environnement plus convenable pour l'apprentissage. Et mon souhait que nous continuions à donner support tous nos bons enseignants et staff là que nous commençons un nouveau chapitre. Monsieur le Speaker, la force travailleuse est pilier de nos sociétés. Par votre courage, détermination et persévérance, je vous amène Cécile côté de aujourd'hui. Je suis content de remercier les peuples cécilois pour votre travail digne. Dans le contexte actuel, la force travailleuse, il y en a un défi. Défi social, défi pour la vie. Il est important que nous comprenions quoi que nous réussissons ensemble. Et quoi qui nous capable de réussir ensemble. Le plan économique, aujourd'hui, nous réussissons à consolider l'économie grâce à la collaboration et coopération de tous les secteurs. Nous la force travailler pendant sa dernière année, une voie à l'augmentation de salaire. Le gouvernement a introduit le salaire minimum pour la première fois en 2007, qui nous permet que les travailleurs gagnent payé d'après la règle et un standard minimum. Nous continuons à augmenter le salaire minimum quand la situation économique s'y permet. Avec nos efforts collectifs, nous tirons l'income tax, le salaire majorité travailleurs. Nous introduisons un 13e mois salaire. Nous allons encore plus loin. Dans la loi aujourd'hui, par exemple, qu'on est, n'a pas taxe la compensation overtime, commuted overtime, service charge, gratuité, 13e mois salaire et paiement à la fin contrat. Basé le performance revenu sa premier 2 mois, ça l'en est. Et accélération qui commission revenu in fait dans préparation. Nous décidons que dernière phase progressive income tax pour à présent gagner implémenté 1 mois plus bonheur à partir du 1er janvier, ça l'en est. Monsieur le Speaker, mon profite de l'occasion. Pour à présent, gagne implémenté 1 mois plus bonheur à partir des premiers zins salanés. Monsieur le Speaker, mon profite de l'occasion pour lancer un appel avec tous les travailleurs pour faire ainsi qu'ils autres et autres employeurs ils fassent votre contribution envers votre pension, même si pas beaucoup, contribuer régulièrement. Monsieur le Speaker, à mesure que nos pays progressent, que l'économie avance, qu'il y en a plus de développement, il y en a plus de demande pour
MEDEV. D'après statistiques plus récentes publiées par Biostatistique de l'emploi, tenant en moyenne 48 195 d'immun dans l'emploi formel. Sa chiffre y inclut 17 757 étrangers qui l'ont permis de travailler. Aujourd'hui, stricte l'économie développée et pourcentage travailleurs qui travaillent dans le gouvernement est 21%, banques qui travaillent dans la compagnie paritatique est 16%, la majorité des travailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire 63%, ils travaillent dans le secteur privé. Monsieur le Speaker, la quantité de monde qui est enregistrée pour avoir l'emploi est 1778. Ça veut dire que si chacun des autres qui remplace un étranger aujourd'hui, tu peux rester 15 979 étrangers le permis de travail dans l'emploi. Niveau développement et grosseur de l'économie, il montrait qu'il y en a plus de place de travail qu'il y en a cessé loi qui peut rôder travail. Pour sa raison, le pays a besoin de travailleurs étrangers. Ce qui est important, c'est qu'il nous contient à créer un environnement favorable pour nous aider si ces lois contiennent à progresser dans notre endroit de travail. Ça dépend beaucoup de l'entraînement, formation, dévouement et une meilleure gestion des ressources humaines dans l'endroit de travail. Pour du monde qui est dans l'emploi déjà, le moment est approprié pour relancer le pays, le programme de formation et l'entraînement continu, que le secteur privé prenant un rôle primordial. Nous décidons d'amender la loi Business Tax pour donner bénéfice à la compagnie qui implémente un programme de formation pour les autres travailleurs. Aujourd'hui, 10 secteurs touristes, la pêche et l'agriculture qui gagnent l'avantage fiscal de Business Tax. Les autres financent formation pour les autres staff. Nous décidons de donner ce bénéfice aussi tout business dans tout secteur. Que tout business qui paye formation, c'est-à-dire l'entraînement pour son bon travailleur, est capable de déduire sa dépense à 150%. Ça mesure pour prendre l'effet à partir du 1er avril de l'année. Nous pouvons aussi amender la loi Income and Non-Monetary Benefits Tax pour retirer taxes qui gagnent appliquer le bénéfice qui employeur et donc travailleurs pour training. Ça aussi pour prendre l'effet à partir du 1er avril de l'année. Monsieur le Speaker, il y en a beaucoup de discussions sur les Seychelles de l'Assemblée nationale. Les Seychelles passent à travers une transformation et restructuration en vue l'environnement très compétitif dans le secteur aviation. Les Seychelles une voie nécessaire pour adopter un nouveau modèle qui dépend le moins travailleur. Nous pouvons faire tout pour faciliter l'emploi travailleur qui gagne affecté. Monsieur le Speaker, il y en a plusieurs débats et discussions le 6 Stevedores. Nous décidons pour introduire une nouvelle régulation avec bidon protection aux bandes Stevedores pour ce travail important qu'ils ont pu faire dans l'économie sicile. Ça pouvait en opération à partir du 1er mai de l'année. Une autre catégorie de travail qui a besoin de protection en bas de la loi, c'est les travailleurs domestiques. Là aussi, nous pouvons introduire une nouvelle régulation qui pourvient en opération à partir du 1er mai de l'année. Monsieur le Speaker, nouveau projet de loi, l'emploi, pour devant l'Assemblée nationale avant la fin juin. Ça pose des lois, il suit plusieurs consultations et il m'en souhaite que l'Assemblée nationale y donne son approbation. Il y a la loi moderne avec qui augmente la productivité et améliore l'environnement, l'emploi, principalement par distribuer droits et responsabilités plus également entre employés et employeurs. Monsieur le Speaker, présentement, je suis content cause le coût de la vie. Un sujet qui peut préoccuper nous tous.
Mon ta content mettre ban fait devant nos peuples aujourd'hui soir. Comment un pays qui importe la majorité de quelque chose qui nous consomme, l'augmentation d'un prix marchandise, le marché international, il automatiquement fait une augmentation d'un prix marchandise si c'est celle. Prix dollar, il aussi impacté le nos marchandises, l'air y arrive, c'est celle. La quantité de carburant qui nous servit l'année passée, il a augmenté. En 2017, nous dépensons 72 millions de dollars pour l'importation de carburant. Si le prix carburant, le marché international, il restait haut, nous avons besoin beaucoup plus que 72 millions de dollars. L'année passée, statistiques de la Banque centrale y montraient que le niveau de l'aune de la banque a augmenté par 910 millions de roupies pour arriver pour la première fois 6,03 billions de roupies. Dans sa 910 millions de roupies, l'augmentation de l'aune est suivante. 144 millions de roupies pour l'entreprise touristique. 135 millions de roupies pour les mortgage loans. 253 millions de roupies in a dans la consommation individuelle. En 2017, 73 927 voyages à l'étranger qui ont été faits par résident. Là-dedans, il y en a 53 190 voyages qui ont été faits par Cécilois. L'année passée, la quantité de visiteurs qui divine Cécile a augmenté par 15,4%. Et la quantité de devises qui s'acceptait a mené c'est équivalent à 6,5 billions de roupies. Ça représente une augmentation 16,8% comparé avec 2016. Malgré ça, l'augmentation de la quantité de devises que le tourisme a mené, le prix de l'or continue à augmenter. Les temps de demande pour les devises augmenté, le prix aussi tente pour augmenter. Et nous voyons nos roupies déprécier. Dans sa dernière 12 mois, le prix de l'or a augmenté par 2%. Ça, il arrive principalement à cause du niveau de l'importation, il aussi continue à augmenter pendant sa même période. Monsieur le Speaker, dans sa dernière année, il y en a beaucoup que le gouvernement fait pour réduire le coût de la nécessité des bases, telles que manger, la santé et la case, avec bien réduit le coût de la vie. Pareil, vous êtes au courant, VAT a tiré le tout commodité des bases et dernièrement, le plaisir les autres produits. La Banque centrale pour implémenter un système qui fait lui plus facile et plus vite pour transactions aux cartes bancaires locales avant la fin de l'année. Ce nouveau système pour réduire les coûts qui m'a sans besoin de payer aujourd'hui, les temps consommateurs, ils servent les cartes pour payer pour marchandises. Ça m'aide à aider à réduire le coût de marchandises qui, en retour, a bénéficié nos citoyens. Le côté électricité, nous décidons qu'il s'agit d'exercice rebalancing de tarifs entre secteur résidentiel et secteur commercial qui est pour prendre place depuis novembre 2017 pour à présent gagner à partir du 1er septembre 2018. Dans nos efforts pour continuer à réduire le coût de la vie, le gouvernement a décidé qu'à partir des premiers élites salonnais, nous pouvons tirer les taxes le linge pour venir 0%. Monsieur le Speaker, salonnais IoT a pointé son premier chef exécutif, c'est ses lois. Le gouvernement a gagné une conversation avec sa compagnie et ils ont agréé pour réduire le prix dans la boîte. Le marché local par 5 roupies à partir du 1er avril de l'année. Et l'autre quelque chose que le gouvernement a fini de commencer, c'est pour encourager nos banques importateurs pour faire venir quelque chose sortir de ce nouveau marché. Par exemple, suivant visite qui m'a fait au Kenya, l'agence responsable a visité et a confirmé qu'il est capable d'importer manger sortir là-bas. Aujourd'hui, Kenya
les nouvelles sources l'importation. Le gouvernement il aussi commence sa même démarche, l'Éthiopie. Nous souhaitons, c'est qu'en utilisant les producteurs plus près avec nous, le coût de transportation va moins, et ça, il a aidé à réduire le prix. Monsieur le Speaker, pour la vie, il impacte plus nos citoyens qui gagnent plus bas salaire. Nous décidons qu'à partir du 1er janvier 2019, le salaire minimum pour augmenter pour 5 250 roupies par mois. Nous pouvons aussi augmenter la pension retraite pour nos bonnes citoyens âgés pour sortir 5 050 roupies pour 5 250 roupies par mois à partir de janvier 2019. Monsieur le Speaker, dans l'année 2000, le gouvernement prend une décision pour investir dans le tanker. Le premier tanker est construit en 2002. C'est à l'époque, nous tenons contrainte des vies étrangères et nous prenons loan pour repayer le tanker. Il n'est pas facile, nous persévérer. Et aujourd'hui, nous arrivons à repayer tout nos loan. Aujourd'hui, CEPEC, il y a la compagnie qui peut faire très bien. Le gouvernement a décidé que le moment est arrivé pour cesser loi, jouir le succès que nous la compagnie peut faire. C'est pour sa raison qu'à partir de novembre de l'année, 20% part de la compagnie CEPEC pour gagner privatisé. Seulement cesser loi qui prend un droit à ce par là-dedans. Monsieur le Speaker, Salonet nous présente avec l'Assemblée nationale un projet de loi qui pour établir ce qu'on appelle un Sovereign Wealth Fund. Ça y est, un fonds pour le pays, pour l'avenir du pays. Monsieur le Speaker, l'industrie tourisme est un secteur promettant pour le business, pour l'emploi et pour la création de plus de valeur ajoutée. Ça, l'industrie il reste pilier dans l'économie. La quantité de visiteurs a augmenté l'année passée pour arriver à 349,806,000 et ça, il met environ 6,5 billions de roupies en devise dans l'économie. Aujourd'hui, au moins 85% de l'établissement, l'hôtel et accommodation est 100% dans la main de ces lois. Ça, 491 établissements. Il représente 2448 l'assemblée, d'un total 6017 l'assemblée. Ça il représente une grande opportunité pour nous continuer à consolider ce qui nous peut faire bien dans l'industrie tourisme. Il est aussi important pour augmenter les bénéfices que les autres secteurs économiques, tels que l'agriculture, la pêche, la culture, l'artisanat, et les autres y gagnent à travers le tourisme. Nous pouvons revoir une politique avec des supports et une approche plus coordonnée de la part du secteur privé pour mener sa diversification. Avec des promouvoir nos traditions et nos cultures créoles, le gouvernement peut mettre la terre, le maïs et le pralin à disposition du secteur privé pour construire et faire un restaurant qui promouvoir ZIS, la cuisine créole. M'encourage tous les partenaires pour joindre ensemble avec les dirigeants de la communauté pour faire un programme ou bien projet culturel qui contribue pour préserver nos héritages culturels aussi bien qu'attirer plus de touristes. Monsieur le Speaker, compétition est bon, il encourage l'innovation et bénéficier des consommateurs. Et comment gouvernement? Nous avons une responsabilité envers le secteur privé pour assurer que la compétition existe. Le gouvernement il révise son politique de l'intégration verticale dans le secteur tourisme. Sa politique va assurer que la compétition entre différents acteurs dans ce secteur va être qui plus existe et que tout business y a l'opportunité pour participer et bénéficier dans l'industrie. Sa politique a été développée en partenariat avec le secteur privé et pour venir en force en mai, ça l'en est. Monsieur le Speaker, ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre
qui est très prometteur pour nos pays. L'industrie du tourisme aujourd'hui dans le monde peut cesser l'exemple dans la soutenabilité. La digue, il devrait devenir sa modèle soutenabilité. Consultation, l'eau s'assisée, il a déjà commencé dans ses efforts pour intégrer sa concept pour la digue dans nos visions nationales 2032. L'eau parallèle, nous pouvons améliorer l'infrastructure pour faciliter la diversification et augmenter le rôle qui prend les noix jouer dans le développement de sa île. Ça y inclut nouveau projet semain pour la plaine hollandaise qui pour connecter Baie-Sainte-Anne et Grand-Anse Pralin. S'il y en a plus d'activités pour les touristes faire, nous expectons qu'ils passent plus de temps dans sa île. Et ça en retour pour créer l'opportunité pour les autres services dans les autres secteurs. L'augmentation de la quantité de touristes au Pralin et la digue peut mettre pression sur l'infrastructure sur des îles. Il est important pour nous trouver des ressources financières pour améliorer l'infrastructure telle qu'il s'émet, aussi bien qu'il gestion des sages et nettoyages en général. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé qu'à partir des 1er janvier 2019, nous pouvons introduire un landing fee pour tout touriste qui visite sa des îles. Tout sa landing fee pour gagner finaliser suivant discussion avec mon partenaire dans le secteur privé. Et tout revenu qui gagne collecté pour aller dans Pralin Development Fund et la Digue Development Fund pour le développement des îles. Monsieur le Speaker, je ne suis pas capable de cause le tourisme sans mention de l'environnement. Préservation de l'environnement est resté toujours important pour le tourisme et aussi pour nos propres qualités de la vie. Revenus qui nous gagnent à travers le secteur tourisme, ils donnent nous un moyen pour protéger nos bonnes la forêt et récifs et aussi pour investir dans les recherches. Par exemple, Cateau-Noir a déclaré et reconnaître comment est l'espèce endémique en 2015 grâce à recherche qui a fait ici Sicile. C'est ça l'appréciation comme un peuple ou l'importance de l'environnement qui peut assurer que l'habitat, ça va l'espèce dans nos bandes la forêt unique, telle qu'ils font Ferdinand et Val de Mai, ils gagnent protégé. Pareil, on dit l'année passée, chacun de nous, nous gardien sa paradis. Monsieur le Speaker, à partir de 2019, Seychelles National Parks Authority, c'est l'autorité qui veille tout parc national pour venir l'agence autonome. Ça veut dire qu'il peut ne plus dépendre du budget du gouvernement, mais plutôt il peut servir l'agence qui est collectée à travers son bansaz. Ça pour permettre les finances travail continuel qui gagne faire pour maintenir le sentier en bon état, améliorer l'infrastructure aussi bien qu'il finance son projet pour attirer plus de visiteurs. Gouvernement inécouté. Suivant recommandation qui est sortie du comité Zille, l'Assemblée nationale, nous décidons que Zille Marie-Louise pour gagner dédié comme un observatoire d'oiseaux. Et l'agrément pour formaliser ça pour gagner signé entre IBC et Island Conservation Society pendant 5 mois. Monsieur le Speaker, nous avons dit l'éloigné qui comité l'Assemblée, nous avons dit qu'il y a un sens visité. Il représente la prochaine étape pour le développement touristique. Il est aussi important que nous cessions loi, il y a l'opportunité pour apprécier la beauté exceptionnelle qui nous avons dit qu'il y en a. C'est pour sa raison que pendant sa prochaine délai, IDC, pour doubler la quantité de l'assemble au Banzil et pour faire l'île abordable pour cessions loi visiter. Monsieur le Speaker, l'économie bleue, il représente une nouvelle frontière pour Seychelles. Seychelles est le premier pays dans l'Afrique qui peut développer un plan de gestion de l'espace marin qui peut plus bien protéger l'océan, créer l'opportunité pour l'investissement et garder plus l'argent dans l'économie. Pareil, je connais, nous premier pays dans le monde qui nous servit un mécanisme innovatif pour protection de l'océan et nous servit pour réduire nos dettes. Nous protégeons une superficie de l'océan qui est équivalente à la superficie du Royaume-Uni.
L'économie blé, il représente nouveau l'investissement, nouveau carrière professionnelle, nouveau l'emploi et nouveau l'opportunité. Monsieur le Speaker, la pêche est un autre secteur clé dans l'économie. Nous avons agrandi sa l'industrie la pêche d'une façon soutenable et faire cesser le vin sa centre stratégique dans l'océan Indien. Pour la pêche, transbordement poisson et préparation poisson, c'est-à-dire processing. Nous besoin retenir plus poisson qui nous la pêche et amène plus valeur ajoutée dans l'industrie la pêche. Nous voyons dans sa dernière année l'augmentation bateau semi-industriel, sorti 11 pour arriver 30, et la quantité bateau artisanal qui a enregistré une aussi augmentée pour arriver 497 en 2017. Le gouvernement est resté toujours engagé pour assurer qu'il y a l'infrastructure et les services en place pour sa secteur développé. Mais il y en a une nécessité isant pour en plus coordination de sa secteur et plus coopération en tout bon acteur. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ensemble avec SFE et département de l'économie blé, font barque loin une consultation nationale pour complètement revoir la politique de la pêche pour assurer qu'il reflète la réalité que sa secteur peut faire face avec aujourd'hui. Et qui y aussi adresse l'exploitation de nos ressources d'une façon soutenable. Le gouvernement a décidé que SFE pour venir l'agence autonome à partir de janvier 2019. Ça pour permettre lui assurer qu'il y a l'infrastructure et services qui sont l'industrie dépend de l'OLA, y en place et y a bien géré. Le côté de l'infrastructure, deuxième phase, construction pour la pêche Providence pour compléter la fin Zilliet 2018 et pour amener l'augmentation de 116 mètres pour faciliter l'accostage pour bateau la pêche, aussi bien que l'augmentation de la capacité de production ICE pour pêcher par 10 tonnes par jour. Bon, l'infrastructure semaine et l'utilité publique pour l'île du port amène beaucoup d'opportunités pour l'industrie qui desservit port. Mais au courant qu'il nous en a en retard. Mais nous pouvons faire nous mieux que ça bande l'infrastructure y compléter avant la fin de l'année. Le pralin, consultation commencée entre les partenaires concernés pour implémenter, pour poser le Grand Anse et Bessetane pour développer, faciliter la pêche. Lola dit, SFE peut construire un bazar poisson et store l'équipement qui peut compléter en mai salané. Monsieur le Speaker, il y en a un nouveau élan, un nouveau souffle dans le secteur de l'agriculture. Et nous encourageons tous les partenaires pour continuer à travailler ensemble. Depuis le commencement de l'année 2017, plusieurs projets d'infrastructure implémentés, tels que drainage et ciment. Nous avons aussi amélioré la facilité d'un bazar. Le gouvernement est resté toujours engagé pour supporter et faciliter le développement du secteur de l'agriculture, qui est aussi au centre du développement et l'économie soutenable et inclusif. Ce secteur est aussi en a une grande importance pour amener plus de sécurité alimentaire pour nos pays. En 2018, le gouvernement a intensifié son projet l'infrastructure et continue à donner le support et l'assistance fermier. Monsieur le Speaker, nos secteurs financiers passent à travers ces courses. Il y en a une nécessité isant pour mettre tous nos bonnes policiers, la loi et régulations à jour avec les normes internationales. Nos secteurs services financiers y restent un et beaucoup de potentiel pour amener la richesse pour nos pays. Dans le processus de développement Vision 2032, une stratégie pour sa secteur peut être développée ensemble avec représentants de l'industrie. B, sa stratégie, c'est pour créer de nouveaux produits et services pour augmenter la valeur ajoutée ici, créer plus d'emplois et rester à jour avec standards internationaux. Le gouvernement est resté toujours engagé pour travailler avec tous les partenaires de sa secteur de façon coordonnée.
Monsieur le Speaker, accès avec finance, il y a une contrainte pour nos banques business. Le 1er mars, ça l'en est. Le gouvernement donne directive, nouveau banque et la banque commerciale, c'est celle, pour augmenter la quantité de loans qu'ils donnent aux petits business. Nous avons besoin de contenir servir moyens à nos dispositions pour aider les petits business à développer. Il y en a des contracteurs, c'est ces lois, aussi bien qu'il y a des propriétaires de garage qui, pour plusieurs années, peuvent faire face avec contrainte la terre. En ce moment, il y en a des comblages qui peuvent faire la providence par accompagner ces lois. Ça comblage peut créer une superficie plus de 7000 m2 qui pourrait mettre à disposition au moins une dizaine de business qui arrangent l'auto et bateau. Ça, la terre pourrait être gérée par Industrial Estate Authority. Pour un type contracteur, il y en a une superficie 15000 m2 qui pourrait mettre en base gestion Industrial Estate Authority pour autre utilisation. Ça mort sur la terre pour assister contracteur classe D. Nous pouvons mettre la terre à disposition secteur privé dans le district Grand Ansmaé, Ansoyal et de Saint-Anne-Pralin pour activités loisirs et entertainment, telles que discothèques. Nous invitons le secteur privé pour construire et faire sa bonne l'endroit. Monsieur le Speaker, la terre qui nous a démarquée pour Victoria Waterfront, côté playground qui était longtemps, est aussi visé vers le développement de nos CCLois. Plan pour sa waterfront est basé sur la consultation que le gouvernement a fait en 2014 et 2015. Sa développement pour incorporer activités économiques telles que café, restaurant, kiosque et la boutique. Il peut aussi inclure construction 120 appartements dans son première phase qui pour en vente seulement avec nos citoyens. Ça veut dire un endroit qui pour aider nos petits et moyens business fleurir, créer plus l'endroit resté pour nos citoyens et aussi aider dans la vie nos capitales créoles. Il y en a beaucoup encore pour nous faire pour améliorer l'environnement business dans ces îles. Les 25 ans, ça l'en est, mon pour diriger le premier sommet business local, que tout bon acteur principal pour là, pour nous prendre une décision ensemble qui pour améliorer l'environnement faire business dans ces îles. Il y a aussi une plateforme que le gouvernement y va écouter quoi qui dans le secteur y en a pour dire avec plus bien planifier nos développements économiques et sociaux. Monsieur le Speaker, nous l'économie il a grandi constamment de sa bande dernière année. Nous sommes capables de réduire nos dettes, nos niveaux de dettes et maintenir stabilité macroéconomique. Mais pour atteindre vraie diversification de nos économie et pour accélérer nos taux de croissance, il est nécessaire que le gouvernement y entreprenne un projet majeur dans l'infrastructure. Le 14 février l'année passée, on cause l'importance de l'infrastructure pour nos développements. Et aujourd'hui, on est content de partager avec nos peuples côte nous été. On cause l'agrandissement port. Ça pose un ambi augmente longueur port pour faire l'IN qui 600 mètres longueur. Retire une section qui n'est pas en bonne condition et augmente la superficie qui porte y en a. Ça pose pour coûter 34,7 millions d'euros et financé par la Banque d'investissement européen et l'Agence France de développement. L'Union européenne a aussi fait un don, 5 millions d'euros, envers sa projet. Nous signons l'agrément financement hier, le 5 mars. Un autre projet majeur, c'est pour un deuxième câble sous-marin, pour Internet. Sa deuxième câble est stratégique pour Cécile. En cas d'accident avec le premier câble, il donne la route alternative. Des masses pour progresser. Le gouvernement a gagné l'agrément, la compagnie Airtel et Cable & Wireless, qui ont pour investir ensemble avec le gouvernement dans sa deuxième câble. Avec croissance, nos populations,
et la quantité de touristes qui peuvent venir sur celle. La quantité de l'eau que nous consommons est continuellement augmentée. L'année passée, PUC produit 14,6 billion litres de l'eau. Pendant un mois, la sécheresse, plus qu'un tiers de nos consommations de l'eau et de l'eau désalination. Alors, le temps est arrivé pour nous concentrer beaucoup plus sur la sécurité de l'eau. Poser pour augmenter la capacité d'un dam lagog in commencé. Gouvernement inécouté et nous décidé pour construire un autre dam dans le district Canton Smaï. D'après l'étude, sa dam est estimée pour coûter 80 millions de dollars. L'année passée, mon petit partage avec autres une proposition pour nous construire des tunnels. Et mon petit dit qu'il nous besoin de faire l'étude pour voir si faisable ou bien non. Aujourd'hui, mon petit compte a annoncé que sa l'étude est complétée et possible pendant un tunnel en Cascade et Grand Tansmaé et un en Beauvallon et English River. Pour commencer, nous pouvons construire un premier tunnel en Cascade et Grand Tansmaé. Ça pose pour créer une conduite pour l'auto, de l'eau, électricité, dessage et télécommunications qui pour aider l'économie vienne plus efficace en général et réduire le coût opérationnel pour le business. En plus de ça, et pour fournir matériaux de construction pour le secteur de construction, inclut construction sa nouveau dame. D'après estimation, ça pose pour coûter environ 54 millions d'euros. Monsieur le Speaker, je suis content d'annoncer que dans le domaine de l'énergie, nous avons besoin d'une solution plus propre, plus soutenable et plus abordable. Malgré l'avancement de la technologie renouvelable, de sa bonne dernière année, il n'est pas encore arrivé à un niveau que nous sommes capables de servir pour produire toute notre électricité d'une façon viable. Pour sa raison, on est content d'annoncer que le gouvernement a décidé qu'il y a un nouveau générateur qui pourrait servir dans la production d'électricité pour mars avec liquefied natural gas, qu'on appelle LNG. Ce générateur est plus efficace, il coûte plus bon marché à long terme et pour réduire le coût de production d'électricité. Il est aussi plus bon pour l'environnement. Et en ligne avec nos visions comme un pays soutenable. Beaucoup de réserves LNG ont été trouvées récemment le territoire d'un pays proche avec nous, tel que la Tanzanie, Madagascar et Mozambique, qui pour faire qui prix LNG est plus compétitif pour ces sites. Ça pose pour réduire l'électricité en servant LNG IN qui est viable. Son coût est estimé à 216 millions de dollars. Aujourd'hui, on invite le secteur privé, inclut tous ces lois, pour joindre nous pour y aller s'apposer. Nous invitons nos citoyens et le secteur privé pour acheter part de sa nouvelle compagnie. C'est la compagnie pour gagner créer durant sa l'année. Les titres techniques permettent au gouvernement connaît côté qui est faisable pour un comblage. En résultat, il y a cinq endroits spécifiques que le gouvernement a décidé de combler. Premièrement, l'endroit autour de l'île d'Oul pour créer une superficie 5 hectares de la terre en plus. Ça pour aider avec le développement Victoria Bypass et aussi pour incorporer le développement Victoria Waterfront. Nous pouvons agrandir l'île Aurore par 19 hectares pour un développement touristique et résidentiel. 40 hectares pour gagner combler dans la vicinité Providence pour créer plus la terre pour activités industrielles pour petits et moyens business. L'endroit devant station production électricité PUC, c'est-à-dire Rouge Caïman, entre swimming pool avec ancienne base Coast Guard, ça,
Il a créé 8 hectares, principalement pour production d'électricité dans les Fiti et aussi lié avec l'agrandissement de nos ports. 10 hectares pour gagner comblé, grand temps parlé, principalement pour les marinas, activités touristiques, les autres activités économiques et logements. Ça, pour gagner faire devant le côté la pointe, côte croisée ses mains pour monter vers le demi. Ça, 5 posées comblases, qui aussi inclut une réserve 600 000 mètres cubes coral field pour coûte 67 millions d'euros. Monsieur le Speaker, tout ça va poser est important pour nos développements économiques et sociaux. Ça va une infrastructure pour créer sa autre plateforme qui nous est capable de servir pour développer source de croissance économique pour sa prochaine 25 ans. Ça l'infrastructure nécessaire pour aider nos diversifications économiques et pour continuer à augmenter la qualité de la vie pour les générations l'avenir. L'objectif, autant possible, c'est servir nouveau financement en dehors bidze national pour financer sa bande posée mazère qui pays besoin. Financement pour gagner faire à travers l'aide bilatérale, partenariat privé et public, l'investissement secteur privé et l'investissement individuel. Aujourd'hui, m'encourage toute la banque dans ces cellules pour créer une facilité spéciale pour aider nos citoyens pour acheter part ou bien investir dans sa banque posée. Monsieur le Speaker, il est important pour le pays en a un encadrement pour support dans le partenariat entre privé et public. Et ça a besoin d'en faire à travers la loi. Un nouveau posé de loi qui appelle Public-Private Partnerships Act pour être présenté avec l'Assemblée nationale. En zin, ça l'en est pour autres considérations. Monsieur le Speaker, l'année passée, m'ont dit qu'il nous combatte contre la pauvreté, il besoin d'un qui plie coordonné. Ça la tasse, il commence et progrès, puis il fait. Le gouvernement a établi un Rapid Response Team qui assiste du monde qui est dans une situation très critique. Nous besoin d'améliorer son mécanisme pour permettre lui agir plus vite. Famille qui nous assiste, une famille qui peut rencontrer beaucoup de difficultés. Et sa difficulté n'est pas juste financière. Nous, c'est pour adresser les autres facteurs, les autres la vie, qui permettent les autres dans sa situation, de façon plus coordonnée, pour que sa bonne famille a développé sa capacité, pour les autres en impliquant le contrôle, les autres destins. Servez dans le district Montfleury, Roche-Caïman, Limamel et Plaisance, incomplété. Et certaines actions concrètes, infinies d'en faire. Servez dans le district Cascade, jusqu'à Takamaka, pour finir pendant sa mois. Basé le Saban Survey, un système d'information de la pauvreté le niveau national pour gagner établi, qui pour aider le gouvernement à travers l'administration district, donne support d'une façon plus organisée et plus effective. Avec un tel système d'information, l'Agence pour protection sociale pour aussi plus bien capable target bon citoyen qui plie vulnérable. Nous bi, c'est retirer sa couche nos populations qui tombent de la pauvreté. M'ont convaincu, Monsieur le Speaker, que si nous continuons travail plus dit ensemble, nous capables faire. Situation logement d'un pays y restait critique. Nous donnons beaucoup l'attention à sa secteur. L'année passée, le gouvernement a construit 144 lacases. 42 dans le district Gantansmaé, 36 Montbixton, 30 Persévérance, 12 de Saint-Anne-Pralin et 24 de l'Homme. En ce moment, il y en a un autre 319 qui est en bas de construction. Ça peut être financé à travers 4 sources. Bidze national, taxes, CSR, qui est la compagnie paritatique et collectée,
loan que o governo empurra com o fundo de pensão e a banca comercial. Mr. Speaker, isso quer dizer que ambassa programa 24 lacas, em 24 distritos, em 24 meses, progresso e como o seguinte. Deposer incompleto, no distrito Mobixton e Grand Ansmae, sete posés em construção, Takamaka, Saint-Louis, Bessetane, Ansboalo, Pelaza, Beauvallon, Yoka. Six posés Infinite Tender et construction est supposée commencer très bientôt. Saï Belair, English River, Montfleury, Pointe-la-Rue, Grand Ans-Paralin et Plaisance. Déposé dans Stade Tender, Ansopin et Port-Glo. Sept posés pour Allo Tender, Samoan, Cascade, Pilon, Ansétoile, Ansoyal, Glacé, La Digue et Roche-Caïman. Les mamelles pour gagner tender en avril. Vu que Roche-Caïman pendant 24 units dans place 10, il veut dire qu'il s'apposait pour créer 24 lacases dans 25 districts dans 24 ans. Monsieur le Speaker, ça veut dire qu'en janvier 2018 et la fin février 2019, nous prenons un total 605 la case qui pour gagner construire pour nos bonnes familles. Il peut aussi en plus qui 250 units construits et financés par secteur privé qui dans procédure tender en ce moment le persévérance. L'expression l'intérêt qui gagne lancé en décembre pour 5 morts sur la terre et travail et envisager compléter la fin 2019. Gouvernement pour mettre encore trois les autres morts sur la terre, l'Omae et un l'Obralin, à disposition secteur privé pour construire la case et vendre à nos bonnes familles. Monsieur le Speaker, il y a un plan pour construire 36 units condominiums en bas scheme self-financing dans le district Grand Ansmae. Gouvernement, il y a l'intention de commencer le travail de s'apposer avant l'année finie. Même scheme pour utiliser pour développer la terre cascade, côte machine, côte à yété. Tiété, posé pour commencer à partir 2019, l'Ossacite. Monsieur le Speaker, aujourd'hui, moi, félicite bonne famille, et il y en a beaucoup d'autres, qui prennent la pose extrêmement responsable, et peut planifier les autres à long terme. Côte HFC, par exemple, il y en a 5146 familles, le Home Saving Scheme. Et 10 entre les autres, ils ont mis de côté 129 millions de roupies. Ils ont un bon exemple. Moi aussi, remercie les autres pour votre patience. Monsieur le Speaker, nous avons un programme ambitieux pour continuer à construire la case pour nos citoyens. Gouvernement a envisagé construire en moyenne 600 lacases par l'année à partir 2019, financé à travers budget gouvernement, participation secteur privé et l'assistance de nos paysans. Pareil, vous êtes au courant, l'année passée, gouvernement y travaille sur une nouvelle politique allocation de la terre basée sur un système. Point. Sa politique fait gagner révisé et pendant une dernière consultation avec mon représentant l'Assemblée nationale, Samoan. Ça l'en est. Gouvernement pour faire allocation 351 morceaux de la terre dans l'Enbank qui pour baser le sa nouveau policy. Nous expectons qu'il nous commence à faire allocation à partisans. En 2019, comme partie nous programme, plus la terre dans l'Enbank pour gagner et développer. Monsieur le Speaker, pareil, moi qui ai annoncé l'année passée, et qui dit gouvernement pendant l'élection pour le conseil district pendant l'année 2018. Mais suivant la discussion que nous en avons avec l'opposition, prenant compte ressources financières
qui strict conseille l'administration district et besoin pour fonctionner, nous tombons d'accord qui pour dans l'intérêt pays qui nous en a pour commencer un strict conseil régional qui plutôt administratif basé le qui maye sa strict immersé dans la pratique nous pour après préparer imposer des lois. Monsieur le Speaker, l'État nous nation est aussi basé sur l'État nous la santé. Pour nous gagner un plus grand sens, améliorer nos qualités de la vie, l'État nous la santé est important. Dépenses gouvernement, le service de la santé est continuellement augmenté et presse pour arriver 10 000 roupies par an par tête d'habitant. Il y en a beaucoup acquis dans sa secteur. Taux de mortalité de Tibaba est 10,9 dans 1000. En 2017, la quantité de mamans qui sont mortes les temps au type de naissance est 99% de nous, madame enceinte, inhalent au moins 4 visites antenatales pendant l'enceintement. L'année passée, 97% de l'opération orthopédique pour nos citoyens qui ont fait ici même Cécile. Nos taux de vaccination de la population est plus que 95%. Et pour Baba moins qui 10 ans, sa chiffre est 97,5%. Malgré ça, nos réalités aujourd'hui, c'est que nous voyons une maladie qui est liée à nos styles de vie. Nous besoin conscients de ce qui nous mange. Nous besoin conscients de ce qui nous boit. Nous besoin plus actifs et faire le temps pour faire plus d'exercice. Nous besoin prendre responsabilité pour nos propres la santé. Solution est dans nous la main. Prévention, prévention et prévention. Avec une population qui est âgée et beaucoup de maladies qui sont liées à ce style de vie, les nouveaux trajectoires dépenses budgétaires dans la santé, est clair pour nous tous que si nous ne faisons pas rien, il y en a un risque que le système de financement pour nos systèmes de la santé pas pour soutenable à long terme. Aujourd'hui, m'ont demandé qu'il nous commence un dialogue national, aussi bien qu'un débat de l'Assemblée nationale, le bon financement alternatif qui existait, tout en gardant nous l'obligation en bas nos constitutions, il y a un principe fondamental qui m'en croit là-dedans, qui nous besoin préserve dignité nos citoyens. Monsieur le Speaker, en même temps, le développement rapide il aussi amène beaucoup de défis. L'abus de drogue, l'alcool, les violences domestiques, les problèmes de société. Nous tous, nous avons besoin de coster ensemble et donner un coup de main. Gouvernement, société civile, groupe religieux et tous citoyens, nous avons besoin de coster ensemble et amener un combat contre ce bande fléau social. Aujourd'hui, mon croise plus club et plus activités sportives, artistiques et culturelles parmi nos populations. Moi aussi encourager que sa bonne activité gagne décentralisée encore plus. Il est nécessaire pour nous en plus sa bonne activité dans le district. Avec une approche positive, chaque citoyen, nous tous nous capables de faire une différence dans nos communautés. Nous besoin inspire nous la jeunesse pour faire la différence. L'abus de drogue, si pas gagne contrôlé, pour détruire tout ce bon travail qui nous fait ensemble pour bien être Cécile. La loi qui établit l'agence pour prévention de l'abus de drogue et réhabilitation est approuvée par l'Assemblée nationale. Ça, l'agence commence à faire son travail. Dans la communauté, programme une gagne renforcé. Ça en est un programme prévention pour commencer dans nos systèmes d'éducation pour éliminer demande pour drogue parmi nos enfants qui peuvent monter.
gouvernement est engagé dans le combat contre sa fléau. Pendant sa l'année, nous pouvons aussi travailler un mécanisme coordonné et structuré en ligne avec une provision, la loi Misuse of Drugs Act 2016, pour faire ainsi qu'il y a des gens qui dépendent de la drogue, ce qu'on appelle les drug addicts, ils ont identifié pour participer à un programme de réhabilitation. Des gens qui dépendent de la drogue, avant de traiter, éduquer et réhabiliter pour être capables de réintégrer dans la société et retourner vers la vie saine pour être propre bien-être et bien-être de notre famille. Moi, au courant que nous avons contrainte de facilité et ressources nécessaires pour traitement et réhabilitation d'un addict, nous pour commencer construction d'un nouveau centre réhabilitation capitaine vers la fin de l'année. Monsieur le Speaker, suivant la situation concernant la drogue dans la prison, le gouvernement a contacté Biocrime et drogue dans les Nations Unies, UNODC, pour l'aide pour implémenter un programme pour éliminer sa pratique. Sa l'organisation Nations Unies, il envoie les autres experts et un plan l'implémentation peut être préparé. Sa programme pour venir en force à partir de décembre de l'année. Sa programme il concerne sécurité de nos populations. Il concerne sécurité staff prison, sécurité sa bande prisonnière et aussi l'aspect traitement et réhabilitation. Pour qu'il est temps, bande condamné et sorti prison, d'être plus capable de réintégrer de la société. Nous avons aujourd'hui un bon exemple, nos bandes citoyens, l'organisation et groupe religieux qui peuvent venir devant et donner autres le temps pour aider. Aujourd'hui, mon dis autres merci. Je peux faire beaucoup, même si tranquillement, sans grande publicité. Monsieur le Speaker, l'abus d'alcool, il y a un problème grave aujourd'hui. L'année passée, moi, je propose un débat franc. L'OSACISE, pour l'Assemblée nationale, il fait une recommandation concrète. Moi, je suis content, informe l'Assemblée que le gouvernement peut finaliser une politique compréhensive qui pour gagner implémenter à partir de l'île de l'année. Monsieur le Speaker, elle est-il la violence domestique dans ces cellules? Il récemment a publié qui porte nous l'attention le grandeur de sa problème. Une statistique récente, la violence domestique est alarmante et effrayante. Ça, il n'est pas devrait être une trajectoire normale pour l'avenir, Cécile. Violence domestique a affecté la fondation de nos sociétés, la famille. Il a affecté la productivité dans le travail. Il a affecté l'éducation de nos enfants. Il contribue à mettre pression le demande pour la case. Aujourd'hui, mon implore ça qui peut faire lui pour, s'il vous plaît, arrêter. Monsieur le Speaker, le gouvernement propose un nouveau la loi sur la violence domestique pour l'approbation de l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Ça l'en est. Monsieur le Speaker, sécurité nous peuple, il y a priorité. Maintenir l'ordre et la paix, il mandat nous la force, la police. L'expectation nous peuple, c'est qu'il nous en ait la force, la police, professionnelle, engagée et efficace. Et la force, la police, qui gagne ressources et main-d'œuvre qualifié. Ça, il y a un défi pour nous et commissionnaire de la police, il commence à implémenter un nouveau plan et stratégie pour cimenter sa défi. Aujourd'hui, nous renforçons la coopération en termes de sécurité avec tous les partenaires dans la région. Commissionnaire de la police, il établit un protocole de communication direct avec les autres commissionnaire de la police dans la région. La police peut augmenter son capacité interne
pour plus bien amener sa combat contre les trafiquants de drogue. Je personnellement rencontré tous les chefs d'État et chefs de gouvernement de la région. Je demande aux autres ports pour avoir plus de contrôle aux autres ports et l'aéroport pour plus de drogue entrer sur ces îles. Nous qui dormons et vivons principalement nos îles Mahé, Pralin et Ladig, nous voir qui maillent nos citoyens, surtout nos zénis, une vie victime de sa fléau de drogue. Trafiquer de drogue peut servir nous la mer, sa vaste l'océan qui nous en a. Drogue peut gagner été l'eau nous la mer, pour gagner collecter, distribuer et plus tard vendre. Si ça y continue, nous la force productive, si tout nous ban zénis, pour s'en et l'avenir, et vivre pour pas voir un demain. Drogue peut tout nous la zénis. Comment gouvernement, nous besoin d'une stratégie maritime qui cohérente. Nous besoin continuer à renforcer nous la police. Et plus important encore, nous besoin réorganiser nos Coast Guard. Nous renforçons la coopération entre la police et toute l'agence qui peut lutter contre les trafiquants de drogue dans la région. Ici, c'est celle, la police peut renforcer son capacité interne pour faire une enquête qui est plus efficace et en ligne avec la loi qui existait. Il peut en plus m'aider qualifié pour entreprendre la saisie d'un bien mal acquis. Et l'autre décision qui nous prend, c'est pour créer un squad spécialisé qui son rôle, c'est pour intervenir dans l'opération spéciale. Vous êtes pour engager, pour combattre un élément crime organisé. Plan, c'est qu'il y a une certaine quantité personnelle qui est dans SPDF aujourd'hui pour gagner secondé à partir des premiers iliers de Salané pour joindre sa squad spécialisée. Et en janvier 2019, vous avez gagné transfert et intégré dans la force, la police. Nous avons aussi identifié un site dans la vicinité aéroport international pour construction de base. Nous avons besoin de 6 mois pour planifier sa transition et préparer bidze pour paiement tous autres bénéfices en ligne avec la loi. En termes l'infrastructure, un nouveau station de la police et un laboratoire forensique pour gagner construire l'île du port qui pourra l'opération l'année 2020. Nous pourrons aussi commencer la construction d'une nouvelle station de la police dès cette année, Salané. Monsieur le Speaker, Salané, nous pour commémorer 25 ans l'anniversaire de notre Troisième République. Tous les trois branches gouvernement, c'est-à-dire législative, l'exécutif et judiciaire, nous pouvons travailler pour continuer à renforcer la transparence, rendre compte et bonne gouvernance. Dans nos parcours, nous rencontrons l'obstacle, mais nous continuons à persévérer. Nous avons besoin de continuer à cause de ça et dans l'intérêt de ces et bien-être de tous ces lois. Pendant ça, l'année, il désire le gouvernement pour examiner nos constitutions, prenant en compte les propositions qui t'y gagne sommet par Constitutional Review Committee, aussi bien rapport et recommandations récentes sorties pour la commission électorale et bon changement et développement actuel qui nous pays et passe à travers. Projet de loi, l'amendement constitution pour gagner sommet avec l'Assemblée nationale avant septembre, ça l'en est. Monsieur le Speaker, l'État nous nation et aussi l'État, nos démocraties. Nos démocraties peuvent continuer à évoluer et nous tous, comme citoyens, nous avons un rôle pour faire agrandir nos démocraties. Pendant l'année passée, nous voyons beaucoup plus d'efforts de consolidation de l'institution. C'est ce qui a besoin de l'institution solide qui peut promouvoir et protéger la liberté et les droits humains de nos citoyens. Nous bi c'est développer plus de capacités humaines et professionnelles pour travailler dans sa bande l'institution. Pendant ça l'année,
gouvernement pour établir un small claims tribunal. Ça, il a aidé donne ban di moun un moyen alternatif pour résoudre certains autres ban tickets ou bien claims sans gazot des procédures compliquées et coûteuses. Gouvernement est resté engagé pour lutte contre corruption. Commission anticorruption et sa l'autorité indépendante qui est mandatée par la loi pour faire l'enquête et détecter corruption. Nous pour revoir la loi anticorruption et donne plus ressources à l'autorité. Ça pour assurer qui fonctionne d'une façon plus effective et efficace dans l'enquête, détection et empêche corruption. Poser des lois pour être présentées avec l'Assemblée nationale pour son approbation avant septembre, ça l'en est. Monsieur le Speaker, suivant mon discussion avec leader de l'opposition et leader des affaires gouvernement, gouvernement pour soumettre nouveau la loi qui peut établir un tribunal de la vérité et réconciliation une fois qu'ils m'ont recevoir un rapport qui sorti contre l'Assemblée nationale. Nous expectons que ce tribunal vienne dans l'opération à partir de zin, ça l'en est. Monsieur le Speaker, nous nous y voir un agrandissement dans l'espace pour la liberté civile et la liberté d'expression. Médias qui représente le quatrième pilier de la démocratie, peut aussi jouer un rôle important aujourd'hui. Nous aussi en avons plusieurs réseaux sociaux. Ça est bon. Mais ce qui est important, c'est qu'ils nous servent les réseaux sociaux de façon responsable et nous gardent respect pour les autres. Nous pouvons vivre dans un pays libre, un pays démocratique. Protestation est un droit. En bas nos constitutions, mais il y a besoin d'en faire avec responsabilité, dans la paix et dans l'ordre. Ça est important pour un climat de stabilité qui pays besoin pour lui continuer à progresser. Nous pouvons travailler loin de nouvelles régulations en bas la loi Public Assembly Act 2015, qui peut établir ce qu'on appelle un Speaker's Corner de Victoria. Ça est l'endroit que nos citoyens sont capables de manifester la liberté et l'expression. Monsieur le Speaker, c'est celle de la République. Nous sommes un pays souverain. Nous avons une zone économique exclusive, I.N. 3,7 millions de kilomètres carrés. Ça est plus que 8500 fois plus grand qu'Imaé ou bien plus que deux fois plus grand que superficie terrestre Madagascar. M'en répéter. Et plus que 8500 fois plus grand qu'Imaé ou bien plus que deux fois plus grand que Madagascar. Pour plaisir l'en est, nous pouvons augmenter nos propres capacités pour surveiller et protéger nos territoires. D'abord, le moment que nous pouvons faire face avec l'attaque piraterie, plusieurs pays amis qui costent ensemble pour aider ces cibles. Aujourd'hui, nous encore resté toujours vulnérables. Trafic de drogue, l'eau nous l'emmène, il y a un problème majeur. Exploitation de ressources, puis en fait de façon illégale. Nous, l'espace maritime est vraiment grand. Nous avons besoin de renforcer le contrôle de nos territoires. Assomption, il s'agit idéal pour une facilité pour nos coast guard qui basé le nos besoins, je vais répéter, qui basé le nos besoins et qui dans l'intérêt Sicile. Il prend 3 jours pour un bateau Coast Guard sorti Mahé pour arriver à Assomption. Il prend environ 3 heures de temps pour un avion Dornier SPDF sorti Mahé pour arriver à Assomption. Une facilité Coast Guard, le bout d'île Assomption pour prothèse Aldabra, Astro, Cosmoledo,
pour donner sa sécurité qui pays besoin dans sa coin ou territoire. L'autre mort aux îles Assomption pour gagner réservé pour un développement touristique. Ce qui est important, c'est que ça facilite pour Coast Guard, qui pour gagner construit, pour besoin prendre en compte l'aspect de l'environnement, protection de l'environnement et conservation de l'environnement. Avant que ça facilite pour nos Coast Guard de construire, il est absolument nécessaire qu'il y ait l'étude de l'impact de l'environnement qu'il gagne faire. Prenons en compte nous l'amitié avec l'Inde et bonne coopération militaire avec SPDF pour plus de 35 ans. Gouvernement Cécile, tu approches gouvernement l'Inde pour l'assistance dans la construction et telle facilité. Construction, sa facilité pour gagner financé par gouvernement l'Inde et pour gagner zéré conjointement par SPDF et la force navale l'Inde pour 20 ans. Assomption, il restait pour Cécile et pour tous ces lois. La terre de l'Assomption, pendant ni van, ni passe-bail avec gouvernement l'Inde. Monsieur le Speaker, accompagné par ministre pour la paix, chef la force défense et attorney général, mon petit visite à Assomption pour la première fois le 4 décembre 2017. Mon capable dit aujourd'hui comment chef d'État et comment commandant chef la force défense est clair pour moi qui dans l'intérêt Cécile pour un an et faciliter Coast Guard aux îles Assomption. Monsieur le Speaker, gouvernement Cécile et gouvernement Lenne ici un nouveau agrément le 27 janvier, ça l'en est. Et en ligne avec nos constitutions, pour que ça l'agrément est capable d'entrer en opération, il a besoin de gagner ratifié par l'Assemblée nationale. Monsieur le Speaker, suivant une demande formelle que l'Ombudsman fait avec moi, vendredi le 10 mars, après-midi, le 6e salagrément qui a signé entre gouvernement Cécile et gouvernement Lenne, dans l'esprit de la transparence, je soumet avec lui tout bon document nécessaire lundi le 5 mars. Pendant le mois d'avril, ça l'en est, je vais soumettre l'agrément avec le speaker de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je recommande avec les autres. Honorable membre de l'Assemblée nationale, pour donner notre support à s'apposer et ratifier sa agrément qui est dans l'intérêt de Cécile. Monsieur le Speaker, ces décisions, nos citoyens, qui nous amènent nous dans sa cohabitation, qui nous trouvent nous l'école là-dedans aujourd'hui. Nous dans un moment extraordinaire dans notre histoire, est l'opportunité rare, mais est l'opportunité qui dans nous l'emmen aujourd'hui pour nous travailler ensemble pour bénéfice peuple cécilois. Comment dirigeants responsables nous choisir pour travailler pour la réussite Cécile et peuple cécilois. Nous décider travailler ensemble. Nous peut travailler ensemble pour Cécile et bien-être nation cécilois. Frères et peuple cécilois, les 29 juin, ça l'en est, nous pour célébrer 42e anniversaire de l'indépendance. Les 18 juin, ça l'en est, nous pour célébrer 25e anniversaire de la 3e République. Encore dans 10 ans, le 27 août 2020, le salataire béni qui nous appelle Cécile, nous pour célébrer 250e anniversaire depuis l'arrivée des premiers habitants. C'est l'unité qui promène nous plus devant. Nous sommes un seul pays, un seul peuple, un seul grand famille, et nous partageons même l'identité. Et nous, l'avenir et l'avenir des générations qui pourviennent après nous, il dépend fondamentalement de quelque chose. Et ça,
qui sortit dans parole nous l'hymne national. Costé, c'est ses lois. Costé, c'est ses lois. C'est la force puissante vers nous limiter. Il pas dit, c'est l'appel pour nous vivre ensemble. Il plus profond que ça. C'est nous limiter nationales. Nous limiter dans nos diversités et nous limiter dans nos identités nationales. Mon remercie Dieu Tout-Puissant pour veiller nos nations et nos pays, c'est celle. Nous besoin tout le temps mettre nos patries. Nous, c'est celle qui plus grand qui nous tout avant tout. Costez ces lois. Merci.